Hé, hey, Sokka, t'es mort. Hé, hey, non, attends, attends, c'est plutôt... Hé, hey, Sandra, t'es mort. Yeah, man. Ah, n'empêche, ce film Rasta Rocket, mais c'est cool. Hein. Ah, ouais. Non, mais c'est vrai, quoi, le bobsleigh, la Jamaïque et tout. Hé, hey, il y a peut-être moyen d'en faire ici, du bobsleigh, à la plagne. Ouais, dans ton truc, là, sur l'office du tourisme. Je crois que j'ai vu un truc tout à l'heure. Où ça? Tiens, regarde. Hop. Ouais. Bob Expérience unique en France, by la plagne, 80 km/h, 4 passagers. Ouais. Oh, mais mortel! On en fait demain? Allez. Allez! Ouais, nickel! Ouais. Yeah! Yeah, cool, Rasta! Yeah! Eh bien, voilà une bonne idée d'activité à la neige. Bienvenue dans RTL 9 Family. Aujourd'hui, Sandra Lou se la joue. Sandra Rocket. Et c'est à la Plagne, au cœur du magnifique domaine skiable de Paradiski, que nous avons découvert la piste olympique de Bob où Sandra se fait attendre. Qu'est-ce que tu fais là, Sandra? Ça va être à son tour, hein? Je sais pas. Yeah, man! Ça va? Hey, man! Hey, ça va? Hey, Rasta Rocket! Vous avez vu? Bonnet jamaïcain, made in China, dreadlock 100% pure synthétique. Ça le fait ou pas? Hein? La classe Rasta! Hey, Rasta Man! Bon, faire les kékés, c'est bien, mais maintenant, il faut se préparer pour la glisse. Bonjour, bienvenue à la piste de bobsleigh de la plagne. Tu peux me donner un casque? Je peux garder mes dreads, s'il vous plaît? Ouais, coach, je pense que ça va le faire. Trop génial. Ah, faut assister un petit peu. Hein. Bonjour. Eh, j'allais oublier. Il paraît que ça porte bonheur, alors. Ok, Sandra, t'es prête? Ouais, je suis prête, mais avant, le cri de guerre. Hein. Balance, man, cadence, man, trace la glace. C'est le Bob Man Cool Rasta. On y va. Créée à l'occasion des JO d'hiver de 1992 à Albertville, la piste de Bob de la Plagne propose à toute la famille une expérience unique de glisse à plus de 80 km/h sur plus d'un kilomètre et demi. Sensation forte garantie. Une expérience que Sandra Lou n'est pas prête d'oublier. Et vous, qui venez d'essayer, qu'est-ce que vous en avez pensé? Réaction à chaud, recueillie à l'arrivée. C'est un truc de fou. Ah ouais, c'est complètement hallucinant. Ça fait 15 ans que je viens à la plagne, que je passe le long de la piste. C'est quand même dommage de ne pas essayer. Et alors? Ah, c'est sensationnel. On a une adrénaline, c'est impressionnant. On est dans tous les sens, on est bougé dans tous les sens, c'est excellent. Ça décoiffe. Ça bouge dans tous les sens? C'est rapide. Ok, vous madame, vous n'avez pas eu peur? Non, j'ai pas eu peur, c'était trop bien. Trop court. L'impression ça tasse, ça va fort, l'impression qu'on va se tourner, ça monte vachement haut, et puis non, ça passe, ça va nickel, impeccable. Et vous monsieur, vous êtes pas trop vieux pour ça, non? Moi c'est ma déjà deuxième descente alors, je l'ai fait il y a 2 ans, je l'ai refait cette année avec mes jambes, voilà. Alors, mais toujours aussi bien? Ah toujours, je crois que même plus vite cette année. Ah, ils sont plus lourds hein, les bestiaux. Ils ont pas eu poids, voilà. Et bien voilà Sandra qui arrive à son tour. Elle a l'air quand même un peu secouée, vous trouvez pas? Merci. Bon, bah hier soir on a regardé Rasta Rocket, du coup j'ai testé le Bob. Et si on regardait ce soir Cliffhanger, comme ça on pourrait faire l'alpinisme, ce serait bien ça, hein? L'ascension du Mont Blanc, vous le faites avec moi aussi? Oui, vous êtes partant, hein? Bon, l'ascension du Mont Blanc, on verra bien. En attendant, la semaine prochaine, c'est une balade en chien de traîneau à PC Valandry que nous vous proposons. Alors à très bientôt pour un nouvel RTL 9 Family.